c'est vrai ce qu'on raconte? Oh, tu te fais larguer par Maxine. Maxine, elle m'a pas laissé tomber. Elle s'est absentée, mais elle va revenir. Léo, je ne reviendrai pas. Ce n'est pas à cause de toi. Je t'expliquerai un jour, Maxime. Il se fait larguer par texto, le pauvre. J'ai couché avec quelqu'un d'autre. Je veux rien savoir. T'as raison. Je croyais que j'étais mort. Tout le monde croyait que j'étais mort. On va s'en sortir. Elle pense à l'autre mec. T'es en train de le laisser gagner. Tu vas perdre. T'as pas de couilles. Connard. Je vais te mettre une droite. Alex ? C'est dégueulasse, ça sort d'où? Je suis en train de tout virer. C'est l'horreur dans le frigo. Léo, juste rassure-moi. Alex, tu lui as rien dit pour sa mémoire, il est pas au courant. Bah bonjour la confiance. Je t'ai promis de rien dire. Je vois pas pourquoi je balance rien. Non, je sais, mais c'est juste que ce matin, j'ai trouvé un miroir qui était brisé et il avait marqué vérité dessus. Je me dis, peut-être qu'il savait. Bah vérité, ça peut vouloir dire, je sais pas, plein de choses. Mais c'est dur de pas savoir s'il est au courant ou pas, surtout que c'est à moi de lui dire. C'est pas facile, hein. Moi, tu vois, par exemple, j'arrête pas de réfléchir. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec Maxine. Juste avant qu'elle parte, elle m'a encore dit 50 fois dans la journée « Je t'aime, mon Léo, je t'aime, mon Léo ». Et là, tu vois, Maxine, elle part pour te rejoindre. Et là, c'est vraiment chelou, quoi. Tout se mélange, tu me parles de son père. Je sais pas, elle est partie avec son père, mais moi, je le connais pas, son père.
C'est quoi cette histoire? J'essaye de trouver un truc, un indice. Je sais pas. Aucune nouvelle, Alice. Je pense qu'elle me l'a envoyé parce qu'elle savait pas où te joindre. Et avec Alex, on l'a vu hier matin, on voulait te le dire, mais on s'est dit que... Tu le sais depuis hier, tu m'as rien dit. Je suis désolée, Léo. J'essaie de faire au mieux. Excusez-moi, le restaurant, il est fermé. Il faut revenir à midi. Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes. Vous êtes le responsable de l'établissement ? Monsieur Lagrange, ça va pas du tout. Vous savez qu'il y a des normes à respecter en termes de température. Il fait chaud dehors. Et la date limite de consommation de vos produits, elles sont toutes dépassées. Monsieur, j'étais en train de tout virer. Regardez autour de vous. Ça sent mauvais et c'est insalubre. Ça fait 3 jours que je l'ai ouvert, ce resto. Dans ce cas, il fallait le nettoyer et le remettre aux normes avant sa réouverture. C'est la fermeture temporaire. Hein? On peut peut-être s'arranger. On se connaît tous sur l'île, hein. Monsieur Lagrange, écoutez-moi. Ne rentrons même pas dans ces considérations-là. Allez, vous inquiétez pas. On fait juste notre travail, vous savez. Puis... je peux peut-être trouver un moyen de le convaincre pour qu'il change d'avis. Une question d'argent. Non, non. Ça se passerait juste entre toi et moi. Maintenant, on fait quoi? Oh, on fait quoi, madame? Ben, à toi de me le dire. Je peux pas. Je suis amoureux. Et tu me parles d'amour et moi je te parle juste d'un petit moment furtif. Comme ça, là. Personne ne nous voit. Personne n'en saura rien. Non, madame, je peux vraiment pas, je suis désolé. Ok. Gros râteau. Bon, bah, je crois qu'on s'achemine vers la fermeture temporaire. 1 mois. Merde. Léo, il va où celui-là? Je m'en fous, je sais pas d'où ça vient. Allez, vas-y. De toute façon, je préfère rester seul. Bonjour, ma reine. Bonjour, mon roi. T'es magnifique, Alice. Toujours. Je savais que tu comprendrais, j'en étais sûre. De quoi?
Les miroirs, le resto. Bien sûr, j'allais comprendre. On est toujours connectés, toi et moi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Tu te souviens, sous le bagnon, on ne dit que la vérité. Alex, voilà. Non. Tu dis rien. C'est à moi de dire la vérité. Vous me suivez? Ah oui. Excusez-moi. T'avais pas vu qu'il y avait quelque chose, là? Ah, c'est à toi, ce truc-là? Ouais, c'est à moi, ouais. Bah, ça tombe bien. Je voulais te dire de ramasser tous tes petits coquillages, là, et puis d'aller faire tes pâtés de sable plus loin, si ça te dérangeait pas. C'est une blague? Vous avez rien à foutre, là? Un petit peu, ouais. Ok. T'as pas assez de place? Tu peux pas aller jouer avec tes copains ailleurs, là? Regarde la plage, comment elle est grande. J'avais fait un dessin, là. J'avais fait un signe, tu vois, pour ma copine. Ouais, et alors? Et alors, barre-toi. Eh, hey, mais écoutez-le, là, ce moucheron. Écoute, mec, tu restes bien cool, et puis tu vas faire tes petits pâtés de ça plus loin, et je te le dis qu'une fois, c'est tout. Attends, qu'est-ce qui t'arrive, là? Tu te sens plus fort? Et avec tes potes, là, vous êtes entre mecs, t'as une montée de testostérone, t'as un ballon en cuir dans les mains, barrez-vous, allez. Mais attends, mais tu t'es vu, toi? Regarde, tu fais le beau devant ta Juliette, là. Arrête de nous faire chier, et puis va jouer ailleurs, c'est tout. Non, non, excuse-moi. Ça s'appelle pas Juliette, ça s'appelle Alice, d'accord? C'est pas une fille, c'est la fille. C'est la femme de ma vie. Alice, c'est mon âme sœur. On se connaît tellement par cœur que là, je sais exactement ce qu'elle fait. On est connectés tous les deux, tu vois. C'est un ouf, le mec, là. Au moment où je te parle, là, déjà, elle a un petit sourire de gêne. Là, elle éclate pas de rire, mais comme elle a un peu peur, on est tellement connectés que je sais ce qu'elle fait maintenant, là. Là, à l'instant, elle remet sa mèche derrière les oreilles. Ouais, mon pote. Et là, maintenant, là, tu vois, elle touche ses bracelets. Tous les bijoux qu'elle a autour des bras, là, sur les poignets. Elle les triture. Parce que comme je vous traite comme des cons, je pense qu'elle a un peu peur que je me fasse casser la gueule. Attends, je te le dis gentiment, là, baisse d'un ton. Mon gros. Ramasse tes merdes. Fais un ouf, ce mec. Allez, viens. Bien sûr que je suis un ouf, moi. Baisse d'un ton, quoi. Mais ouais, je suis ouf. Bien sûr que je suis ouf, moi. Je suis ouf d'elle. Je suis fou d'amour, ouais. Je suis fou d'amour pour Alice. Bien sûr que je suis un ouf. Allez, barrez-vous. Je suis déçu. Ça va, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave, mais... Je t'avais fait le signe de l'immortalité. Tu te rappelles? Ce qui compte, c'est l'immortalité de notre amour. Ça, c'est important. C'est quoi ce signe?
Je sais pas. Je l'ai depuis l'Australie. Je suis certain que c'est un signe d'Alkira, l'aborigène qui m'a sauvé la vie. J'en suis sûr. Depuis que je suis rentré, je vois des choses bizarres que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Mais fais confiance au signe. Alors, aucun rapport. Est-ce que tu l'as avec toi, ton foulard? Alice. Alex. Mademoiselle Watson. Oui. Je suis désolé, je vous dérange pas longtemps dans votre petit jeu là. Je suis journaliste. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous déranger longtemps. En fait, je réalise un portrait sur votre père. C'est que votre père est quelqu'un d'influent, c'est une figure de la Nouvelle-Calédonie. Bah c'est oui, quelqu'un de connu, que tout le monde a envie de connaître. Et je pense que ça va intéresser les lecteurs. Bah oui, mais allez le voir lui directement dans ces cas-là. Oui, pardon. Je vous arrête, c'est impossible. Il y a un barrage pas possible, c'est pire que le Premier ministre, je peux rien faire. Je peux pas le voir, je peux pas le rencontrer. Ouais, voilà. Mais si je vais pas vous recevoir, moi je peux rien faire pour vous. Attendez, attendez mademoiselle, savez-vous vraiment qui est votre père? Quoi? Ouais. Je peux vous montrer deux papiers quand même. Pour quand même leur importance, je vais vous montrer. Photocopie du passeport de votre père, 12 novembre 55. Le problème, c'est que sur l'acte de naissance, il est né en 61. 6 ans d'écart. Vous trouvez pas ça un peu louche, quand même? 6 ans d'écart sur deux papiers administratifs certifiés. Non, c'est une erreur. Une erreur? Encore une erreur de votre père, quoi. Pardon? Bon, ouais. C'est bon, là, ça va? Ouais. Si vous continuez de nous emmerder comme ça, c'est moi qui vais la faire la grosse erreur. On vous a essayé, écoutez, c'était très bien. Merci beaucoup, à bientôt. Alice.
Quand j'étais petit, j'ai eu une grave maladie. On m'a soigné pendant très longtemps. C'est pour ça qu'on s'appelait les frères de mort. Il y a aussi quelqu'un dont je t'ai jamais parlé, Alice. Quelqu'un d'important pour moi. Personne, c'est Sam. On s'était fait le serment de ne jamais, jamais raconter ce qui nous était arrivé à tous les deux. On voulait pas en parler. Comme pour conjurer le sort. Il y a 3 mois, il m'a appelé. Il avait besoin de moi. C'était comme un appel de détresse. C'est pour ça que je suis parti en Australie. Alors maintenant, bien sûr, je m'en veux de te l'avoir caché. J'espère que tu pourras me pardonner. En parlant de Sam... Sam, il va très bien. Il est en pleine forme. J'ai vu sa maman au téléphone. Et apparemment... il a trouvé l'amour. Alex, faut que je te dise un truc. Allô? Oui, Léo. Bah ok, ouais, on arrive. Ok, tout de suite. C'est Léo, il est dehors, apparemment ça va pas bien. Léo, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? J'ai plus rien à faire ici. Je me tire en métropole demain. Qu'est-ce que tu caches de si grave? Pour nous mentir comme ça? Alice, arrête, s'il te plaît. C'est toi qui nous mens depuis toujours. Tu me largues, là, si je te dis que j'ai sérieusement pensé au meurtre? T'es sérieux, là? Un meurtre caché par Watson. Non, mais ça va pas ou quoi? Putain, il a rien fait, merde! Pas? Qu'est-ce qui se passe? Force de remuer la merde. Tu l'as, maintenant?